Bon, eh bien, salut à tous les petits cailloux, c'est BBoyBlock974. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo de notre let's play, tout simplement sur The Surge. Donc, on en est à l'épisode. On en est à l'épisode 20, si je me trompe pas. On est déjà à notre 20e épisode de cette série. Si je me trompe pas, on est vraiment à l'épisode 20. Hein. On est vraiment à l'épisode 20, ce qui est assez sympathique hein, quand même. 20 épisodes, c'est pas rien les potes. Viens et 20 épisodes pour ce let's play, c'est pas rien. Ça veut dire que on a bien travaillé, on a bien joué sur ce jeu. On rentabilise le jeu comme il faut. Hein, c'est-à-dire, je vous ferai peut-être un petit bilan aussi niveau vue du jeu, qu'est-ce que ça donne dans ces 20 épisodes là. Donc parce que vous avez peut-être pas vous dites peut-être pas combien de vues ça donne. 20 épisodes c'est beaucoup, mais ça se trouve 20 épisodes on a fait que 100 vues, tu vois, sur 20 épisodes ce serait assez triste. Mais non, je pense pas qu'on a fait que 100 vues. Je pense qu'on doit être peut-être à tout casser, je dirais peut-être 500 vues en tout sur tout let's play. Ce qui bah peut-être 500 ou 300 vues sur tout let's play, ce qui est quand même pas si pire. Mais bon, c'est sûr qu'on peut faire mieux, mais c'est quand même déjà pas si pire. Et moi, en fait, ce que je me dis aussi, c'est qu'un let's play, c'est quelque chose qui est aussi à retardement. Donc, tu sais, quand les gens s'intéresseront à The Surge 2 et qu'ils chercheront peut-être un let's play de qualité, et bien vous pourrez leur recommander le let's play, mon let's play, parce que, bien entendu, le let's play de Blox, c'est de la qualité. C'est de la qualité. Et celui qui ose dire le contraire sera banni. Parce que mon let's play, les potes, c'est de la bonne. C'est bien ici qu'il faut aller. Alors là, ça nous ouvre un passage ici. Donc ça, c'est assez cool. Et là, ça nous emmène vers des contrées que nous n'avons jamais explorées. Mais avant ça, j'ai une nouvelle arme qui fait plus de dégâts et que j'ai envie d'essayer. Et qui, à mon avis, a le même bonus que mon arme précédente. Donc ça me donne envie de la tester. J'aimerais bien tomber sur un petit boss, je vous avouerai. Oh là là, en plus l'arme elle fait mal sa mère. Donc oui, je pense qu'on va rester avec cette nouvelle arme. Donc qui utilise un petit peu plus de stamina, mais qui est au niveau des dégâts. Ça fait mal. Ça me rappelle un petit peu ma hache de Bloodborne. Ah, ma belle hache. Il faudrait que je vous en propose un peu du Bloodborne quand même. Hein. Parce que je vous en parle souvent de Bloodborne, je pense que je vous ai même parlé de mon ancien let's play sur mon ancienne chaîne gaming, mon let's play épique de Bloodborne. Mais finalement, je vous en ai jamais présenté réellement du Bloodborne sur cette chaîne, d'aussi loin que ma mémoire s'en souvienne. Je pense ne l'avoir jamais vraiment proposé sur cette chaîne. Donc ce serait peut-être une idée de vous proposer peut-être pas un petit let's play, peut-être plus un playthrough de Bloodborne, parce que c'est le genre de jeu, Bloodborne c'est le jeu, c'est le premier jeu que j'ai acheté, c'est le premier jeu que j'ai pris avec la PS4 quand Audrey me l'a offert, c'est-à-dire en 2014, en 2015, donc c'était il y a déjà 4 ans, premier jeu que j'ai pris, et 4 ans plus tard j'y joue encore quoi. J'avais pas perdu ma chaîne, on aurait pu faire une Bob Lennon avec un let's play de l'infini qui aurait duré 500 épisodes. Ça aurait été génial. Ça aurait vraiment été génial. Alors ici, on va quand même regarder un petit peu ce qu'il y a avant de se précipiter vers la débauche, comme j'aimerais l'appeler. Ne nous précipitons pas vers la débauche. Parce que la débauche, c'est pas bon. Ah oh, mais cette arme, elle est vraiment pas si pire, hein, les potes. Elle est vraiment pas si pire. Je
pense que j'ai bien fait de changer pour cette arme. Donc là, il y a de la merde. Oh, c'est quoi ça? Interagir. Ah, ok, ça va faire tomber des... Interagir. Il saute. Pax. Le Pax est hors ligne. Ok, je sais pas du tout qu'est-ce que ça fait, mais apparemment ce truc est hors ligne. Ça devrait signifier quelque chose de bon pour moi. Donc ici il fabrique de la drogue. De la drogue. J'ai pas de grappin malheureusement. Je sais pas comment on fait pour en avoir non plus. On va aller là. On va aller sans et on va le shooter ce fils de pute. Alors là faut faire attention parce que ils sont bien plus nombreux que je ne le pensais. Et bah bien entendu je me suis fait niquer mais je les ai tués, j'en ai tué un, mais je suis mort. Bon ben ça peut arriver, hein, ça peut arriver les potes, ça arrive comme on dit dans le jargon. Donc on va juste aller essayer de retrouver là où nous étions. Et voilà. Bon, c'est sûr que au niveau de ce let's play, je gueule pas comme un malade mental. Je pourrais faire des bulles comme. Ok, ça c'était complètement débile. Je viens de perdre 10 000 pièces détachées d'une façon exécrable. Mais c'est pas grave. De toute façon, à un moment, il faut avancer, il faut arrêter de penser aux pièces détachées, il faut arrêter de farmer. Donc au moins. On n'aura plus ce fardeau en nous et on pourra avancer comme il se doit. Et par contre, quand je me mets là, tu prends le truc, quoi. Tu fais pas semblant de le prendre. Bon, alors ça m'emmène ici. Il fallait aller là-bas. Ah, je suis quand même dégoûté d'avoir perdu... D'avoir perdu mes pièces détachées aussi bêtement. Alors les deux petits potes là, on fait la fiesta ou quoi? On se fait une partouze ici là? Hein? C'est quoi ces partouzes là où je suis pas invité là, hein? Yo. Si on va en haut, ça c'était quoi encore? En haut c'était des nouvelles personnes. Ok. On va aller lui niquer la tête à lui. Tiens, prends sa fumier. Voilà. Au moins ça c'est fait, vite fait. Bien fait. Ah putain, ok. Ok, ça rigole pas là-bas. Ça rigole pas. Donc on va niquer ce truc là, parce que ce truc là est extrêmement chiant. Et lui, on va l'attaquer comme il se doit, comme un maître Shaolin le ferait, et on va lui couper les zizi. Voilà. Exactement ce que je voulais, lui couper le zizi. Donc on en était, qu'on était ici, on était descendu. On était passé par là et qu'il y avait ce fils de pute qui était trop puissant. Et qu'il fallait battre en 1 contre 1 parce que trop de gens autour, ça foutait le bordel. Le problème c'est que là, il y a d'autres potos qui ont envie de se ramener à la fête. Et moi je suis pas trop d'accord qu'ils viennent faire la fête avec moi, surtout quand j'ai plus de vie comme ça là. Oh là là, j'ai réussi à ne pas mourir. Je ne sais pas comment j'ai fait d'ailleurs, parce que ça s'annonçait quand même pas mal mal.
Toi, t'as le virus en toi, mon pote. Tu te le gardes. Je le veux pas, ton sida. Ok, charmant. Nouvel enregistrement. Ils ont comme un sida de l'espace ici. Hein. On va passer par là pour voir. Là, c'est... Il faut vraiment que j'arrive à choper ce grappin parce que en fait ça me ramène juste exactement là où j'étais. Donc on va essayer d'aller comme ça. On va aller de ce côté là. Oh putain! Oh putain! Ok, le jeu commence à devenir assez hardcore. Le jeu est en train de me dire, mec, t'es pas prêt. On va te défoncer, t'es pas prêt. On va te mettre mal. Donc oui, putain de jeu, tu m'as mis mal. Je suis deg. Bon, après, j'ai que 1800 pièces détachées, donc j'ai envie de te dire, c'est pas non plus la mort. Mais bon, si on pourrait éviter de tout le temps devoir mourir, ce serait apprécié. Alors vous allez mourir par contre. Pas que je vous aime pas, hein, mais les niveaux 2 là, ça c'était quand j'étais jeune. En fait, il faut aller le désactiver à chaque fois pour pouvoir passer ici. Ok. Je comprends mieux pourquoi il faut monter en haut. Parce que si tu passes directement en bas, tu te fais défoncer par le gros robot. Malin, ce lynx, comme on dit. Hein. Toi qui poses des pièges de merde, tu vas arrêter avec tes pièges de merde, frérot, parce que ça commence à me casser les couilles. Donc là, ça va quand même bien. On va défoncer justement le piège de merde. Et on va aller taper sur la tête du méchant. Ok, j'ai plus de vie. J'ai plus d'endurance, pardon. Le méchant qui a l'air très très fâché. Et qui me fait mal, hein. Il me défonce. Quand ils sont fâchés, ils font mal. Hein. Mais il n'a pas vécu très longtemps. Alors ça c'est chiant parce qu'il y a un mec, un ennemi vengeur. Et le problème des ennemis vengeurs c'est qu'ils sont plus forts. Allez viens mon pote. Donc, je vais y aller un par un. Parce que... Et je dis, je vais y aller un par un, ils viennent deux par deux, ces fils de pute. Oh bah il est mort. Ça c'est bien. J'aime bien quand la chance est avec moi comme ça et que il est mort. Et en plus, on a eu un trophée qui s'appelle nourrir les poissons. Bah si c'est pas génial ça. Si le hasard ne fait pas bien les choses. Je saurais vous dire. Donc ça c'est cool, il est tombé comme une grosse merde. On va le tuer comme ça à l'ancienne. On va lui mettre un bon coup de faux à la au popotin. Ça me fait rire parce que Audrey tout le temps elle m'appelle popotin parce que je m'appelle Potin. Allez chè, tu m'as pas eu fils de pute. Allez, vous m'avez pas eu. Alors lui, je vais le mettre mal. Tiens. Pourquoi mon attaque chargée? Oh shit. Oh putain, j'ai plus de stamina. Putain, il y en a deux là! Ça me saoule quand c'est comme ça, là. La mise à jour de Apex.
Il faut que je monte. Putain, c'est... Hey. Il m'a suivi ou pas? Les pays sont super chers. Tiens, déjà, ça c'est fait. Ah putain. Mais non, mais putain, j'ai essayé de me remettre de la vie, j'aurais pas dû. Voilà, on va se terminer là-dessus, on va se terminer là-dessus, les potes, et ça me fait chier, ça me fait chier. Je vais quand même... je vais regarder combien de pièces détachées j'ai. Ouais, je vais aller récupérer mes pièces détachées au moins quand même. C'est pas suffisant pour monter d'un niveau, mais bon. Ça reste que ça fait chier de les perdre. Je vais aller les récupérer. En fait, tu vois, généralement dans ce genre de mood là, je me dirais qu'il faut que je farme. Et en farmant, je leur défoncerai tous la gueule un par un. Mais le truc, c'est que c'est pas rentable de farmer en fait comme un gros pute, une grosse pute. Bah si, c'est rentable pour moi parce que je fais plein de vidéos, tu vois, mais c'est pour vous, ça devient redondant en fait. Surtout si j'ai pas de sujet de conversation, vous êtes en mode, ouais, bloc. On t'aime bien, mais tu fais tout le temps la même chose. Déjà, là, c'est bien parce qu'on a changé de zone un peu quand même. Donc, je suis quand même pas mal content parce que on a réussi à changer de zone. Donc, ça, c'est cool. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais défoncer ce truc-là. Et que lui, je vais le défoncer. Donc, oh putain, j'ai plus de stamina. Mais non. Ok, bon voilà, c'est comme ça que ça va se terminer. Une perte tout simplement illicite, une perte dramatique, une perte de pièces détachées. Dans cet épisode, on a dû perdre au moins 10 000 pièces détachées. Donc c'est triste, mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est le jeu. Et on va repartir certainement dans une autre session de farm jusqu'à au moins l'épisode 25. On va farmer comme des gros bâtards. Mais ça se fera un petit peu demain et un petit peu la semaine prochaine. Donc merci à vous, c'était Block et je vous dis à la prochaine. Tchuss.